Alléluia. 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 Praise the Lord. Louez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. It is a joy to be with you this morning. C'est une immense joie pour moi d'être avec vous ce matin. I am honored to stand here before this congregation. Je suis honoré d'être devant cette congrégation. Before you precious people of God. Devant ce peuple précieux de Dieu. Amen. Amen. I want to thank Pastor Robert. Je veux remercier le pasteur Robert. His wife, Marie-Claire. Son épouse Marie-Claire. Pastor and all of the team here. Le pasteur et toute son équipe, tout le comité de l'église. I want to thank him for his kind invitation. Je veux le remercier pour son invitation chaleureuse. His welcome to us. Son accueil envers nous. And his hospitality. Et son hospitalité. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. It is not easy for somebody. Ce n'est jamais facile pour quelqu'un. To allow another person to preach. D'autoriser une autre personne à prêcher. That they don't know. Qu'ils ne connaissent absolument pas. Amen. Amen. That they have never met. Qu'ils n'ont jamais rencontré. But as soon as we got into contact. Mais dès que nous sommes entrés en contact. I was so blessed and surprised. J'étais si béni et surpris. When Stephanie, your congregation member, said to me. Lorsque Stéphanie, une des membres de votre assemblée, m'a dit. That Pastor Robert is also inviting me to come to speak. Que le pasteur Robert m'a aussi invité pour parler. Pastor, thank you very, very much. Pasteur, merci beaucoup. Hallelujah. Hallelujah. My name is Jerome. Mon nom est Jérôme. You can call me Thomas as well. It's okay. Vous pouvez aussi m'appeler Thomas. And I'm here with my wife. Her name is Ruth. Je suis ici avec mon épouse qui s'appelle Ruth. Stand up and wave. Peux-tu te lever, s'il te plaît? Amen. Let me give you some background as to why we came here. Laissez-moi vous raconter mon parcours. There was a member of your congregation. She's called Stephanie. Il y a un membre de votre assemblée qui s'appelle Stéphanie. Stephanie Bernard, who came to London. Stéphanie Bernard qui est venue à Londres. She was part of our church in London for 1 year. Elle était en fait membre de notre assemblée à Londres pendant un an. When she was working and studying. Lorsqu'elle était en train de travailler là-bas et d'étudier. And she attended our church and got connected to our congregation. Et elle a fréquenté notre assemblée et a tissé des liens avec notre assemblée. We thank God for meeting her. Nous remercions le Seigneur de nous avoir permis de l'avoir rencontrée. Le Seigneur a connecté nos cœurs et en fin de compte, Stéphanie a été bénie par le ministère de ma femme Ruth. Et lorsque le Seigneur a commencé à parler à nous parler pour que nous répondions le ministère sur le plan international. And the Lord spoke to me about Paris in particular. Et en fin de compte, le Seigneur m'a parlé de Paris en particulier. We made the Amen. Amen. We made the connection with her. Nous avons fait le lien avec Stéphanie. And pastor kindly opened his church and his congregation. Et très gentiment, le pasteur a ouvert son église et son assemblée. And so here we are today. Et regardez, aujourd'hui nous sommes là. Amen. Amen. We have 4 children, 4 boys. On a 4 enfants, 4 garçons. And they are here with us also. Et ils sont avec nous aussi ce matin. Amen. Amen. We believe we must populate the kingdom. Nous considérons qu'il faut peupler le royaume. Amen. Amen. And so they are here with us today. Ils sont avec nous ce matin. Where are they? Où sont-ils? All right, they're there. 2 of them are there. One is at the back. Deux d'entre eux sont là et 2 autres sont au fond. The fourth is gone to the bathroom, I think, or something. Le quatrième, en fin de compte, vient souvent à mes côtés. So parents, if you have daughters who want to marry. Et Paris, si vous avez des femmes que vous voulez marier, please let me have your number. We can talk. S'il vous plaît, donnez-moi votre numéro pour que nous puissions discuter. Amen. I am joking. Amen. Je suis en train de plaisanter. We also brought a team from our church. Nous avons également ramené une équipe de notre église. That came to bless the ladies. To bless the ladies at the conference yesterday. Qui est venu en fin de compte pour bénir les femmes lors de la conférence d'hier. They have all come here to be a blessing to you. Elles sont toutes venues pour être une bénédiction pour vous. Amen. And we thank God for them. Just give us a wave, destiny people, all the destiny people. Pouvez-vous secouer la main pour qu'on puisse vous voir. They're here. So thank you very much. Amen. Alors merci beaucoup. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
I have a word from the Lord for you today. J'ai une parole du Seigneur spécifiquement pour vous ce matin. Amen. Amen. I'm here to preach to you today. Are you Je ready? Je suis ici en fin de compte pour prêcher la parole de Dieu. Êtes-vous prêts? Amen. Amen. I just forgot very quickly. I have some very good pastor friends who came from the Netherlands On today. A aussi des amis qui sont également venus des Pays-Bas. They came to support us and celebrate. So welcome. Ils sont venus pour nous encourager également pour célébrer le nom du Seigneur. Amen. Amen. All right, I'm ready to, okay. to minister the word of God. Je suis prêt pour partager la parole de Dieu. I haven't forgotten my message. I have something to share. Je n'ai pas oublié mon message. J'ai quelque chose à partager avec vous. But I sometimes take a little minute before I start. Mais quelquefois, je prends quelques minutes avant de commencer mon message. Particularly if it's my first time to minister in a place. Et en particulier si c'est la première fois où je proclame la parole dans une assemblée. Because what can happen sometimes? Parce que ce qui peut se passer quelquefois. When people see you for the first time. Lorsque les gens vous voient pour la première fois. They take a lot of time to check you out. Ils prennent beaucoup de temps pour vous inspecter, vous regarder minutieusement. Amen. Amen. They're looking to see where is he from. Ils sont en train de regarder, mais d'où venez-vous? Quelles sont vos origines? Do I like his accent? Est-ce que j'aime son accent? How tall is he? Quelle est sa taille? Where does he go from? D'où vient-il? And by the time they've done all that, et une fois qu'ils ont fait tout cela, they've missed half of the message. Ils ont manqué plus de la moitié du message. Amen. Amen. So I let that all happen now. Eh ben, parlons de tout cela maintenant. So now we can begin. Amen. Afin que maintenant nous puissions commencer à partager le message. Amen. Amen. Let us pray. Prions. Heavenly Father, notre Père qui est aux I cieux, thank you for this opportunity. Je te remercie pour cette opportunité to minister your word de partager ta parole to these your precious sheep. À ton précieux pâturage. The entrance of your word brings light. L'entrée de ta parole donne la lumière. And today the entrance of your word et aujourd'hui, ta parole shall bring light doit apporter la lumière, revelation la révélation into every heart. Dans chaque cœur. I thank you today Je te remercie aujourd'hui for the anointing pour l'onction to speak your word. De partager ta parole. I thank you today Je te remercie aujourd'hui for every ear pour chaque oreille that is anointed to hear your word. Qui est ointe pour entendre ta parole, understand your word, pour comprendre ta parole, perceive your word, pour percevoir ta parole, and do your word. Et appliquer ta parole. Father, today, Père aujourd'hui, receive all of the glory. Reçois toute la gloire. Let every life be changed. Que chaque vie soit transformée. Do not let one person remain the same. Ne laisse aucune personne être la même personne en sortant and de ce And for lieu. Everything that shall take place. Pour chaque chose qui doit arriver. We give you all the praise. Nous te donnons toute la gloire. We give you all the glory. Nous te donnons toute la louange. In advance today. En avance aujourd'hui. It is in Jesus' mighty name. C'est dans le nom puissant de Jésus that we pray. Que nous avons prier. Let somebody say amen. Que chaque personne dise amen. 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 I want to speak to you today. Je veux vous parler aujourd'hui. About the God of the exceeding abundant. Du Dieu de l'abondance qui dépasse the nos God pensées who et nos attentes. Is exceeding abundant. Le Dieu qui fait au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Amen. Amen. If you have a neighbor sat next to you. Si vous avez un voisin à côté de vous, I want you to shake your neighbor. Je veux que vous serriez la main de votre voisin. And tell them, do you know your God? Et de lui poser la question, connais-tu ton Dieu? Is the God of the exceeding abundance? C'est le Dieu de l'abondance excellente. Do you know your God? Thank you, Richard. Do you know your God? I know my God. Tell them, do you know your God? Connais-tu ton Dieu? Connais-tu ton Dieu? Is exceeding abundant. Il fait au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Tell them on the other side, you have Donc, a God. Dites à la personne de l'autre côté, connais-tu ton Dieu? Who is exceeding abundant. Qui fait au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. The book of Ephesians chapter 3, please. Le livre des Éphésiens chapitre 3. And verse 20. Et le verset 20. You would have seen it before. Vous l'avez vu auparavant. The scripture says, l'écriture dit, now unto him, et maintenant à celui, that is able to do, qui peut faire, exceedingly, par la puissance qui est en nous, abundantly, indéfiniment au-delà, above all, de tout ce que, that you could ask, que nous demandons, or think or imagine, ou pensons ou même imaginons, according to, selon, the power, la puissance, that works in us, qui agit en nous,
Can somebody say amen today? Est-ce que quelqu'un peut dire amen aujourd'hui? Our foundational scripture, notre écriture, is Ephesians chapter 3 verse 20. Et l'épître aux Éphésiens chapitre 3 verset 20. The scripture says unto him that is able. L'écriture dit que à celui qui. Somebody say he is able. Que quelqu'un dise il est capable. Say he is able. Redites encore qu'il il est capable. Tell your neighbor he is able. Dites à votre voisin il est capable. Tell him on the other side he is able. Dites de l'autre côté il est capable. Hallelujah. 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 Somebody say he's able. Que quelqu'un dise il est capable. He's able to do. Il est capable de faire. Exceedingly. Au-delà. Abundantly. De ce que. Above what you could ask or think. De ce que nous demandons ou même pensons. Or imagine. Ou même imaginer. According to the power. Selon la puissance. That works in us. Qui agit en nous. Hallelujah. Hallelujah. Now I want to explain this scripture for a few minutes. Maintenant, je veux expliquer cette portion de l'écriture pendant quelques minutes. So we can understand what the Bible is saying. Afin que nous comprenions ce que la Bible est en train de nous dire. And what I believe God wants to impart into your hearts and lives today. Je pense que Dieu veut impacter vos cœurs et vos vies aujourd'hui. Hallelujah. Hallelujah. Webster's Dictionary. Le dictionnaire Webster en Angleterre. Webster's Bible Dictionary. Le dictionnaire de la Bible Webster. Says exceedingly means. Dit que au-delà. Defines exceedingly. Définit au-delà. As exceptional in amount. Comme étant exceptionnel en quantité. Exceptional in quality. Exceptionnel en qualité. And exceptional in degrees. Et exceptionnel en degrés. Hallelujah. Hallelujah. It says abundantly means. Il dit que abondamment. Plentiful. Beaucoup de. In great quantity. En très grande quantité. Abounding. Et abondamment. Overflowing with. Débordant. Hallelujah. Hallelujah. It says exceedingly il dit, means. Il dit que abondamment. Another word for exceedingly. Un autre terme pour abondamment. Or a synonym for exceedingly. Un synonyme pour abondamment. Means extraordinary. Et extraordinaire. Phenomenal. Phénoménal. Uncommon. Quelque chose de surnaturel. Outstanding. Brillant. Incredible. Incroyable. Remarkable. Remarquable. Hallelujah. Hallelujah. Something that's remarkable. Quelque chose qui est remarquable. Is something that is so exceptional. C'est quelque chose qui est tellement exceptionnel. That when you see it. Que quand tu le vois. You have no words to explain tu it. Tu n'as pas de mots pour le décrire. Hallelujah. Hallelujah. You've just got to do something like. Tu as juste à faire à dire. When I saw my wife. Quand j'ai vu ma femme. She was exceeding. Elle était vraiment extraordinaire. Her beauty was so much. Sa beauté était telle. That I didn't have anything to say. Que je n'avais pratiquement rien à dire. It was remarkable. C'était remarquable. The only thing I could say. La seule chose que je pouvais dire. When I saw her. Quand je l'ai vue. Was Était So God is saying. Donc Dieu dit. That he wants to do, he wants to be. Car il veut faire et il veut être. The God of the exceeding abundant in your life. Qui va au-delà de ce que nous demandons dans notre vie. So that when people see your life. Afin que lorsque les gens voient votre vie. They cannot categorize you. Ils ne peuvent pas vous ranger dans une catégorie. They can't define you. Ils ne peuvent pas vous définir. They can't limit you. Ils ne peuvent pas vous limiter. They cannot put you in a box. Ils ne peuvent pas vous mettre dans une boîte. The only thing they have to say. La seule chose qu'ils puissent dire. About your life and mine. À propos de votre vie et de la when mienne. When they see what God has done. Lorsqu'ils voient ce que Dieu a fait. They have to lift up their hands. Elles ont à lever les mains. And they have to say. Et dire. Hey. 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 Hallelujah. Hallelujah. When God has finished, lorsque Dieu a terminé, pouring His joy in your heart, de déverser sa joie dans votre cœur, it's going to be remarkable. Ce sera remarquable. That people will say, que les gens vont dire, When God has finished, lorsque Dieu a terminé,
giving you peace that passes all understanding. De vous donner la paix qui surpasse toute intelligence. When everybody else is stressed. Lorsque les gens sont, les autres sont stressés. So stressed they get sick. Qui sont tellement stressés qu'ils en deviennent malades. But God of the exceeding abundance. Mais le Dieu de l'abondance qui dépasse ce que nous pensons. Has showed up in your life. A tellement fait de choses dans ta vie. And given you exceeding abundant peace. Et qui vous a donné une paix qui dépasse l'entendement. That, hallelujah. Alléluia. That people look at your life. Que lorsque les gens regardent votre vie, and they have to say, et ils ont, ils n'auront qu'à dire, hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Look at your neighbor and just go, regarde à ton voisin et dis simplement, The God of the exceeding abundance. Le Dieu de l'abondance qui dépasse ce que nous demandons Hallelujah. Ou même pensons. Alléluia. When they see your marriage, lorsqu'ils voient votre mariage, and see you so much in love, et vous voient tellement amoureux, say amen, somebody. Que quelqu'un dise amen. Amen. Praise the Lord. Louez le Seigneur. They have to comment about your marriage. Ils ont à faire des commentaires par rapport à votre mariage. And say, et dire simplement, Hallelujah. And so when he said unto him that's able to do. Et lorsqu'il dit que à celui qui peut faire. Exceeding abundantly. Au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Above what you could ask or think or imagine. Même ce que vous pouvez imaginer. He's talking about blessing your family. Il parle des bénédictions concernant blessing votre famille. Your life. Les bénédictions de, concernant votre vie. Anointing you with wisdom. Et qu'il vous puisse vous oindre avec sa sagesse. Breathing his gift and his callings into your life. Souffler son appel dans votre vie. And every blessing that you are you're believing for. Et chaque bénédiction à laquelle tu crois. To be exceptional in amount. Qui sera exceptionnelle dans ta vie. Hallelujah. En quantité. In great quantity. En très grande quantité. Exceptional joy. D'une joie exceptionnelle. Exceptional peace. D'une paix exceptionnelle. Exceptional self-worth. D'une maîtrise exceptionnelle. Exceptional love in your family. D'un amour exceptionnel dans votre famille. Amen. Amen. Exceptional children. Des enfants exceptionnels. Exceptional in your job. Et des performances exceptionnelles à votre travail. Exceptional in your exams. Et des notes exceptionnelles à vos examens. Let the students say amen today. Que les étudiants disent amen. 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 Because he's the God of the exceeding abundance. Parce qu'en fin de compte, il est le Dieu qui fait au-delà de ce que nous demandons. Hallelujah. Alléluia. Lift up your hands and levez say with vos me. Mains et dites avec moi. Say, Heavenly Father. Notre Père céleste. I thank you today. Je te remercie aujourd'hui. You are the God. Tu es le Dieu. You are my God. Tu es mon Dieu. Of the exceeding abundance. Qui fait au-delà de ce que nous demandons même I pensons. Receive. Je reçois. Exceeding abundant une abondance exceptionnelle in every area dans chaque aspect of my life de ma vie in Jesus name. Dans le nom de Jésus. Help me give the Lord a hand clap today. Applaudissez pour le Seigneur, acclamez le Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Let's go back to our foundation scripture. Revenons au texte biblique du jour. Ephesians 3:20. L'épître aux Éphésiens chapitre 3 verset 20. Let's unpack it today. Eh bien, prenons-en possession aujourd'hui. Exegete the text today. Faisons l'exégèse de ce texte. It says, unto him that is able. Il dit que à celui qui est capable. Somebody say he is able. Que quelqu'un dise il est capable. Ask your neighbor, do you know your God is able? Sais-tu que ton Dieu, que demande à ton voisin, sais-tu que ton Dieu est capable? Amen. Amen. I want to help you release the power from this verse. Je veux en fin de compte que vous aider à retirer à récupérer le pouvoir qui sort de cette écriture. It says unto him that is able. Il dit que à celui qui peut. The first thing I want you to know today. La première chose que je veux que vous sachiez whatever aujourd'hui. Whatever you face. Quel que soit ce à quoi vous faites face, have, quels que soient les problèmes que vous avez, quelles que soient les difficultés que vous avez à surmonter, I want the first thing in your spirit, la première chose que vous devez avoir à l'esprit, the first thing you speak, la première chose que vous devez proclamer, le premier endroit où je veux que vous déclenchez votre foi est que Dieu est capable. Amen. 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 Too many of us beaucoup d'entre nous sont spécialistes. Sont des spécialistes in finding the reasons pour trouver les raisons why it cannot work. Pourquoi ça ne marche pas. Uh-huh. Hein? Too many of us beaucoup d'entre nous always look
Regarde toujours to see the negative aux choses négatives and see the problems. Et vois uniquement les problèmes. But this year, mais cette année, anytime you face a challenge, chaque fois que vous faites face à un problème, the first thing I want you to know, la première chose que je veux the first que vous thing sachiez, I want you to say, la première chose que je veux que vous disiez, the place I want you to reside, l'endroit où je veux que vous soyez, the place I want you to abide, l'endroit où je veux que vous demeuriez, your starting point, votre point de départ to handle that situation, pour faire face à cette situation, is that God is able. Et que Dieu est capable. God is able. Dieu est capable. Amen. 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 Don't worry about how you're going to get the money. Ne vous inquiétez pas de la façon à laquelle vous avez récupéré de l'argent. Amen. Amen. Don't worry about how God will do it. Ne vous inquiétez pas de la manière dont Dieu va agir. Amen. Amen. The first thing you need to do. La première chose que vous avez besoin de faire is settle yourself. Et de vous dire à vous-même in that your God is able. Que votre Dieu est capable. Amen. Hallelujah. 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 There were two blind men. Il y avait deux hommes aveugles that came to Jesus qui sont venus auprès de Jésus in the Gospel of Matthew chapter 9. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 9. And they said to him, Lord, if you are willing, if you are able. Et ils ont dit au Seigneur, Seigneur, si tu es capable. If you are able. Si tu es capable. We want to receive our sight. Nous voulons recouvrer la vue. Matthew chapter 9. Matthieu chapitre 9. Amen. 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 And in verse 24, et au verset 24 du chapitre 9 de l'évangile de Matthieu, Jésus leur a dit, do you believe, est-ce que tu crois, est-ce que vous croyez que je suis capable to do this? De faire cela? They said to him, Jesus, son of David. Mais ils ont dit à Jésus, Jésus, fils de David, have mercy upon us. Aie pitié de nous. In other words, they wanted to see. En d'autres termes, ils voulaient voir. Jesus asked them, Jésus leur a demandé, do you believe I'm able? Est-ce que vous croyez que je suis capable? Ask your neighbor, do you believe he's able? Demande à ton voisin, crois-tu qu'il est capable? Do you believe he's able? Est-ce que tu crois qu'il est capable? Do you believe he's able? Est-ce que tu crois qu'il est capable? Hallelujah. 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 They came to Jesus saying, we want to see. Ils sont venus à Jésus en disant que nous voulons recouvrer la vue. Our Lord Jesus turned it back on them and said, do you believe I'm able? Jésus est venu à eux et leur a demandé, est-ce que vous croyez? And they said, yes, Lord, we believe. Et ils ont répondu, oui, Seigneur, nous croyons. Then he said, according to your faith, let it be done to you. Et il a dit, qu'il soit fait selon votre foi. Hallelujah. Hallelujah. In other words, if you believe, en d'autres termes, he's able, si vous croyez qu'il est capable, then you unlock the power. Vous permettez au pouvoir, à la puissance de se déclencher. Of God to work in your life. À la puissance de Dieu de se manifester dans votre vie. Hallelujah. Hallelujah. One translation says. Une traduction dit. That Jesus said to them. Que Jésus leur a dit. Because you believe I'm able. Parce que vous croyez que je suis capable. He said you can become what you believe now. Vous pouvez devenir ce que vous vouliez être. Hallelujah. 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 That's why I say the first thing. C'est pourquoi je vous dis que la première chose you must understand que vous devez comprendre when you face your situation lorsque vous faites face à une situation difficile is that he is able. Et que Dieu est capable. Is that he is able. Qu'il est capable. Amen. 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 We must remove the language of impossible. Nous devons déclencher, redélivrer le langage de l'impossible from our lives. Que de notre vie. Amen. 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 Let me give you very quickly. Laissez-moi vous dire Genesis chapter 18, verse 14. Genèse chapitre 18, verset 14. When the angel of the Lord, the angels visited Abraham and Sarah. Lorsque l'ange de l'Éternel a rencontré Sarah et Abraham, que l'année prochaine, à pareille époque, tu auras un enfant. Sarah a ri. And the angel asked, "Why are you laughing?" Et l'ange lui a demandé, mais pourquoi ris-tu? Is there anything too hard for the Lord? Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour le Seigneur? Hallelujah. Hallelujah. Job chapter 42. Job 42. Verse 1 to 2. Versets 1 et 2. Job said, "Lord, I know that you are able." Job a dit, Seigneur, je sais que tu es capable. Someone say, "Lord, I know you're able." Que quelqu'un dise, Seigneur, je sais que tu es capable. He said, "No power of yours can be stopped or thwarted." Aucune de ta puissance ne peut être limitée. Rien ne peut faire obstacle à tes desseins. Hallelujah. 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 Matthew 19 and 26. Matthieu 19 verset 26.
There was a rich young man that came to Jesus. Il y avait un jeune homme riche qui était venu auprès de Jésus. And said, "What must I do to get eternal life?" Et il lui a dit, que dois-je faire, Seigneur, pour hériter de la vie éternelle? And when he answered him, the disciple said, et lorsqu'il a répondu à tout cela, les disciples ont dit, "This is such a hard thing. Who then can be saved?" Les disciples ont dit, mais c'est une chose tellement difficile, mais qui peut être sauvé? Jesus said, "With man, it is impossible." Jésus a dit que aux hommes c'est impossible. But with God, all things are possible. Rien, mais tout est possible à Dieu. Hallelujah. Hallelujah. To him that believes. Pour celui qui croit. The angel showed up to Mary in Luke chapter 1. Le l'ange s'est présenté à Marie en Luc chapitre 1. When Mary asked, "How shall these things be?" Et lorsque Marie a dit, mais comment une telle chose peut-elle se produire? The angel of the Lord said that the Holy Ghost shall come upon you. L'ange de l'Éternel lui a dit que le Saint-Esprit devait venir sur elle. And the power of the Most High shall overshadow you. Et que la puissance du Très-Haut devrait te recouvrir. And the holy thing shall be born inside. Et la chose sainte devrait naître au-dedans de toi. Hallelujah. Hallelujah. For your cousin Elizabeth. Pour sa cousine Elisabeth. Who they said was barren. Pour, qui est en fin de compte trop âgée pour concevoir des enfants. Elle avait 6 mois de grossesse. Because with God, parce que à Dieu, Luke chapter 1, verse 37, Luc 1, verset 37, with dit God, que all things are pour possible. Dieu, tout est possible. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. 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 And she said to, and the angel said to her, et l'ange a dit à Marie, in Luke chapter 1, en Luc chapitre 1, verse 45, verset 45. That to whoever believes these things, pour toute personne qui croit en cette chose, there shall be a performance of that word. Il y aura une manifestation de cette parole. Hallelujah. 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 Let's go a little deeper this morning. Allons plus profondément ce matin. The next thing he said is above what we could ask or think or imagine. Il dit que au-delà de ce que nous demandons, pensons ou même imaginons. Hallelujah. Hallelujah. I have a question for you today. J'ai une question pour vous aujourd'hui. What are you dreaming? What are you thinking? What are you believing God for? À quoi rêvez-vous? À quoi pensez-vous? À quoi croyez-vous? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Because God said, parce que Dieu a dit, if you can think it, si tu peux le penser if à you cela, can imagine it, si tu peux l'imaginer, I am the God who's able to exceed it. Je suis le Dieu qui est en mesure de le dépasser. Amen. De dépasser cette imagination, amen, cette pensée. Amen. 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 So we must not limit God. Alors, mes chers amis, nous ne devons pas limiter Dieu. In our thinking. Dans nos pensées. Amen. Amen. We must not limit God. Nous ne devons pas limiter Dieu. In the things that we believe for. Dans les choses auxquelles nous croyons. Hallelujah. Hallelujah. Because he's able to do exceedingly. Parce que Dieu peut faire au-delà. Abundantly. Abondamment. Above, au-delà what you can ask, de ce que tu peux demander, or think, ou penser, or imagine, ou même imaginer. Hallelujah. Hallelujah. Nudge your neighbor, say, "What are you thinking?" Demandez à votre voisin, à quoi penses-tu? Ask your neighbor, say, "What are you thinking?" Demande à ton voisin, à quoi penses-tu? Ask them and say, "How big are you thinking?" Quelle est la quantité à laquelle tu penses? Amen. Amen. Proverbs 23 and verse 7. Proverbe 23, verset 7 nous dit, as a man thinketh in his heart, comme un homme pense dans son cœur, so is he. Tel est un homme, telles sont ses pensées. Amen. So whatever you're thinking today, alors, quel que soit ce à quoi vous pensez aujourd'hui, God is ready to exceed it. Dieu est prêt à le dépasser. Hallelujah. 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 If you are thinking that we will just dwell in this house, separate corners. Si tu t'imagines que tu vas pouvoir vivre dans cette grande maison, and never the two shall meet. Sorry, can you repeat? Never the two shall meet et together. Elles ne seront pas mitoyennes, que ce sera une maison qui sera séparée. This marriage we are just gonna survive. Que ce mariage va pouvoir survivre. And we're not gonna thrive. Et que nous n'allons pas nous séparer. God said, "Get ready." Dieu te dit, sois prêt. I'm ready to exceed that. Je suis prêt à dépasser cela. I want to exceed that. Je veux dépasser cela. Amen. Amen. So instead of surviving, alors au lieu de survivre, you shall be thriving. Tu vas prospérer. Amen. 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 Do you remember in the book of Genesis? Est-ce que vous vous souvenez que dans le livre de la Genèse, in chapter 11, au chapitre 11, the people came together, les hommes se sont mis ensemble, to build a tower to reach to the heavens, pour construire une tour qui atteindrait le ciel. They put their minds together, ils ont mis leur esprit ensemble, leurs pensées ensemble,
Amen. Amen. And God came down. Et Dieu est descendu. And saw what the people were building. Et il a vu ce que les hommes étaient en train de construire. And he said, these people are of one mind. Et il a dit que ces hommes sont d'un seul esprit. And the thing that they have put their minds to do. Et la chose à laquelle ils ont rassemblé leurs esprits et leurs pensées. He said, I have to come down and disrupt their language. Je dois venir et en fin de compte confondre leur langage. Amen. 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 Because he said once they put their minds to it. Parce que une fois qu'ils mettent leur esprit sur cette chose-là, nothing can be withstopped from them. Rien ne peut s'opposer à leur pensée, à leur nothing can be withheld from them. Et rien ne peut leur être retenu ou enlevé. So if man in a sinful state, et si l'homme dans l'état de pécheur, God recognizes. Dieu reconnaît the power of the mind, la puissance de leur esprit when leur they ask and think, lorsqu'ils demandent ou pensent. So much so he had to come down and si disrupt their language. Il a descendre et confondre leur langage. How much more you and I now, à plus forte raison vous et moi, who have been born again, qui sommes nés de nouveau, washed in the blood, lavés dans le sang, made the righteousness of God, et fait justice de Dieu, put a new song in our mouth, qui avons un cantique nouveau dans nos bouches, a hymn of praise unto our God, et qui faisons monter nos louanges vers Dieu, brought us into right relationship with him, qui nous a donné placé dans une sainte communion avec lui, the things that we can ask or think or imagine, alors les choses que nous pouvons demander, penser ou même imaginer, God said, Dieu a dit, I can be exceeding abundant in that, je peux faire au-delà de ce que vous demandez ou même pensez. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The third thing I want to lift out from this scripture and then we shall move La troisième chose que je veux voir de cette écriture et ensuite nous allons avancer. Number one, we said he is able. Première chose, nous avons dit qu'il est capable. Amen. Say he's able. Dites il est capable. Say he's able. Dites il est capable. One more time, say he's able. Encore une fois, dites il est capable. Why do I have to keep saying, why do I have to start with he's able? Pourquoi dois-je arrêter de dire qu'il est capable? Pastor, why do I have to start with he's able? Pourquoi dois-je arrêter de dire qu'il est capable? Because if you settle he's able, parce que si vous dites qu'il est capable, he can open a door. Il peut ouvrir la porte. If you amen. Amen. If you settle he's able, si vous dites qu'il est capable, he can make a way. Il peut tracer un chemin. If you settle he's able, si vous dites qu'il est capable, he can call someone to remember you. Il peut appeler quelqu'un qui va se souvenir de vous. He can change the situation. Il peut changer la situation. But as long as you keep thinking, God, I can't see. Mais tout autant que vous dites que Dieu, je ne peux pas voir. You shut down his ability. Vous fermez sa capacité. To work in your life. De travailler dans votre vie. Let the people of God who understand say amen today. Que les gens de Dieu, le peuple de Dieu qui a compris disent amen. 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 The second thing we said is above what we could ask or think. La deuxième chose que nous avons dit, c'est que au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. The third thing he said is according to. The third thing. La troisième chose. Is according to his power. Selon la puissance. That works in us. Qui agit en nous. Amen. Amen. According to his power. Selon sa puissance. That he works in us. Qui agit en nous. God wants to do exceeding abundance. Dieu veut faire au-delà dans l'abondance. Above what we could ask or think. Au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. But he will do it according to his power that works in us. Mais il le fera seulement selon la puissance qui agit en nous. Amen. 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 The question someone asked me. Une question que quelqu'un m'a posée. Is what is that power he wants to work? Quel est ce pouvoir, cette puissance qui veut agir en nous? Ephesians chapter 1. Éphésiens chapitre 1er, verse 19 through 23. Du verset 19 au verset 23. The apostle Paul prayed. L'apôtre Paul prie. From verse 16, he said, "I pray today that the eyes of your understanding shall be enlightened." À partir du verset 16, l'apôtre Paul commence à prier pour la puissance de Dieu. He said that you might know the glorious inheritance you have as saints. Afin que vous puissiez savoir l'héritage glorieux auquel vous avez droit. And the incomparably great power that is working towards us who believe. Et l'incomparable puissance qui agit en nous qui croyons. Amen. Amen. He said that power is like according to. Il dit que cette puissance est selon. The same power he worked in Christ. Que la puissance qui a agi en Christ. When he raised him up from the dead. Lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts. Woo! 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 God wants to work in our lives. Dieu veut agir dans nos vies, veut travailler dans nos vies. The same power that he worked in Christ. La même puissance qui agit en Christ. When he raised him up from the dead. Lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts. Oh my God, I feel like running here. J'ai envie de courir. Oh.
The same power that he worked in Christ when he raised him up. La même puissance qui agit en Christ lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts. So much so. Oh, si forte. The Bible says que la Bible dit that it was impossible for death to hold him. Que il était impossible à la mort de le contenir. Hallelujah. That even when death tried to hold him down, même lorsque la mort a voulu le retenir, the power God worked in him, la puissance de Dieu a agi was en lui. So strong, elle était cette puissance était si forte, that sin had to let him go. Que en fait compte, sin fondements and death had to let him go. Que le péché, la mort devait le laisser. Hallelujah. Hallelujah. The grave could not hold him. La tombe ne pouvait le retenir. Hallelujah. Hallelujah. That he worked that power in him and raised him up. Parce que cette puissance agit en lui et l'a levé d'entre les morts. Hey. Amen. So death tried to hold him like this. La mort a voulu retenir comme cela. But the power was too strong. Mais la puissance était si forte. Try and hold me. You are death. Yes. The power was too strong. La puissance était si forte. That death had to. Que la mort avait let à lutter. Let me go. Oh. Let me go. Ah. On va partir. Ah. Death had to let him go. La mort n'avait plus de pouvoir. Hey. 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 And he said he wants to put that same power. Et il a dit qu'il allait mettre cette même puissance. Say the same power. Cette même puissance. He wants to work in your life. Il veut manifester dans votre vie. Amen. Amen. He wants to work in your family. Il veut agir dans votre famille. Work in your children. Agir dans vos enfants. Work in your job. Agir dans votre vie professionnelle. Work in your marriage. Agir dans votre mariage. Work in your physical body. Agir dans votre corps physique. So that sickness has to let you go. Si bien que cette maladie doit vous laisser. Hallelujah. Hallelujah. Because Romans chapter 8 tells us. Parce que Romains chapitre 8 nous dit. That if the same spirit that raised Christ Jesus si from the dead. Le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Lives on the inside of you. A vie à l'intérieur de vous. Oh ha. Ooh. Tell your neighbor there's power inside me. There's power. Dites à votre voisin qu'il y a de la puissance à l'intérieur de moi-même, en moi. Ah, there's power. There's power. There's power inside you. Il y a de la puissance en moi. You tell him, be careful. Be careful. Dis, fais attention. Fais attention. Il y a de la puissance en moi. There's power. Il y a de la puissance en moi. Fais attention. Don't mess around here. Fais attention. The same power that he worked in Christ. La même puissance qui agit en Christ. That raised him from the dead. La même puissance qu'il a ressuscité d'entre les morts. If that spirit be inside you. Et si cet esprit est à l'intérieur de vous. Romans chapter 8 verse 12 to 14 says. Le Romains chapitre 8 verset 12 à 14. It shall make alive your mortal bodies. Il redonnera vie à vos corps mortels. Hallelujah. Hallelujah. So that if there was sickness trying to touch your body. Alors s'il y a de la maladie qui va en fait contre atteindre votre corps. Sickness has to leave. La maladie doit partir. Hallelujah. 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 Somebody say I receive it today. Que quelqu'un dise je l'ai reçu aujourd'hui. Say I receive it today. Je l'ai reçu aujourd'hui. Say I receive it today. Je l'ai reçu aujourd'hui. In Jesus' mighty name. Dans le nom puissant de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. But now listen. Mais maintenant écoutez. He said it's according to the power that works in us. Il a dit selon la puissance qui agit en nous. Amen. Amen. That means for God to truly live through us. Cela signifie que Dieu vit en nous. We must learn how to die. Nous devons savoir comment mourir à nous-mêmes. Amen. Amen. For me to live is Christ. Pour moi vivre, ma vivre est Christ. And to die is gain. Et mourir est un gain. Christ est ma vie et mourir est un gain. Galates 2 verset 20 qui est affiché. I have been crucified with Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Hallelujah. Hallelujah. Nevertheless, I live. Néanmoins, je vis. And the life I now live. Et la vie que je vis maintenant. Oh, glory to God. Oh, gloire à Dieu. I live by faith in the Son of God. Je vis dans la foi dans le Fils de Dieu. Who died and gave himself for me. Qui est mort et qui a donné sa vie pour moi. Notice he said, I've been crucified with Christ. Alors, écoutez bien, il a dit, j'ai été crucifié avec Christ. So that Christ may live through me. Afin que Christ vive en moi. Amen. 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 Amen.
Amen. Amen. So for his power to work in us, pour que sa puissance agisse en nous, he must increase, il doit augmenter, but we must decrease. Mais nous devons diminuer. Il faut qu'il croisse et que nous nous diminuons. Alléluia. 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 We've got to remove some things. Nous devons enlever des choses. So that God can come in. Afin que Dieu puisse entrer en nous. We've got to remove the flesh. Nous devons nous débarrasser de la chair. Put away wrong thinking. Mettre de côté les mauvaises pensées. Put away fear. Nous débarrasser de la crainte. Put away unbelief. De nous débarrasser de l'esprit d'incrédulité. Put away the doubt. Mettre de côté les doutes. Amen. Amen. So that he may live inside us. Afin qu'il vive en nous. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Hallelujah. Because the power he wants to work in us, parce que la puissance qu'il veut qu'il agisse en nous, will only work fonctionnera seulement when we, the flesh, die and he, the spirit, lives. Lorsque nous, la chair, nous mourons et que son esprit vit. Amen. 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 Hallelujah. 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 The power of God, la puissance de Dieu, is unlocked through our obedience. Et en fin de compte, est déclenchée à travers notre obéissance. Amen. Amen. The power of God, la puissance de Dieu, is unlocked through our obedience. Est déclenchée par notre obéissance. So when we obey God, afin que lorsque nous obéissons his power à Dieu, can work in our lives. Sa puissance puisse agir dans nos vies. Amen. 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 So if God's word says, si la parole de Dieu dit certain things for us to do, certaines choses que nous devons faire, when we obey, lorsque nous obéissons, his power is released. Sa puissance est déclenchée. Amen. Amen. What kind of power? Quel type de puissance? The same power he worked in Christ when he raised him up. La même puissance qu'il a manifestée en Christ lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts. Amen. Amen. So if God says forgive, si Dieu dit pardonne, amen. Amen. I'm going to come to your house now. Amen. Puis-je venir dans votre maison maintenant? But when they hurt you, you refuse to forgive. Lorsqu'on vous blesse, vous refusez de pardonner. Uh-huh. Guess what? Devinez quoi? No power. Pas de puissance. It's getting quiet in the house of the Lord today. Amen. Amen. If God says forgive, si Dieu dit pardonne, but you refuse to forgive, mais tu refuses de pardonner, then you want to see his power, et que tu veux voir sa puissance, the power that he worked in Christ, la puissance qu'il a manifestée en Christ, you want to see exceeding abundance, qui va au-delà de ce que nous demandons, but you refuse to forgive your brother, mais tu refuses de forgive your sister, de forgive ta your husband, de pardonner forgive ton mari, your wife, de pardonner and ta, then you épouse, come to church, et ensuite tu viens à l'église, and you want exceeding abundance, et tu veux l'abondance qui dépasse l'entendement. Guess what? Devinez quoi? No power. Pas de puissance. Do you still like the word? Pas de puissance. Because it's the power that, according to his power, that works in us. Parce que c'est selon la puissance qui agit en nous. And unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it abides alone. Sauf si un grain entre en terre et qu'il meurt, il ne peut pas porter du fruit. John chapter 12, verse 24. Jean chapitre 12, verset 24. But when it dies, mais lorsqu'il meurt, many fruits. Il produit de nombreux fruits. Amen. So when we allow the unforgiveness, the bitterness, lorsque the keeping nous autorisons la rancœur, l'amertume de demeurer en nous, to fall to the ground and die, de tomber au sol et de mourir, then it can yield much fruit. Il peut produire ensuite beaucoup de fruits. Of righteousness, peace and joy. De justice, de paix et de joie. And we can see the exceeding abundance. Et nous pouvons voir l'abondance qui dépasse. Can you say amen today? Pouvez-vous dire amen? Amen. Amen. Oh, praise the Lord. Oh, louez le Seigneur. Praise the Lord. Louez le Seigneur. Precious people of God, I want to say to you. Peuple précieux de Dieu, je veux vous dire. That God wants to do exceeding abundant in your life. Que Dieu veut faire au-delà de ce que vous demandez ou même pensez dans votre vie. Amen. Amen. Wants to do things and marvels and wonders. Il veut faire des merveilles dans votre vie. That people will only know it's the Lord's doing in your life. Que les gens vont voir que c'est Dieu qui agit dans votre vie. And it is marvelous in our eyes. Et que c'est merveilleux dans notre vie. Amen. Amen. So don't limit God. Alors ne limitez pas Dieu. Don't limit God. Ne limitez pas Dieu. Based on your problems. En vous basant uniquement sur vos problèmes. God is bigger than your problems. Dieu est plus grand que vos problèmes. Amen. Amen. Don't limit God.
Ne limitez pas Dieu. Based on the things that you have to overcome. En vous basant sur les problèmes que vous avez à surmonter. Based on your own understanding. En vous basant sur votre propre intelligence. God is bigger than all of that. Amen. Dieu est plus grand que toutes ces choses-là. Amen. Amen. He's exceeding abundance. Il va au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Hallelujah. Hallelujah. John chapter 10, please. Jean chapitre 10, s'il vous plaît. John chapter 10. Jean chapitre 10. Verse 10. Verset 10. Jesus said, Jésus dit, the thief comes to kill and to steal and to destroy. En fait, quand le voleur vient pour tuer, dérober et détruire. But I am come that you might have life. Mais je suis venu afin que vous ayez la vie. And have it more abundantly. Et la vie en abondance. Hallelujah. 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 Sounds like exceeding abundance. Cela résonne comme une abondance excellente, excessive. If there's any killing, stealing or destroying happening in our lives. Si il y a de la tuerie, du vol ou de la destruction qui se produit dans votre vie. That's not God, amen. Ce n'est pas de Dieu. Some people try to blame God for the things that God does not do. Et beaucoup de gens aiment blâmer le Seigneur pour des choses pour lesquelles le Seigneur n'est pas responsable. Amen. Amen. Jesus said, "I'm come that you might have life and have it abundantly." Jésus a dit que je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous ayez la vie en abondance. Amen. Amen. Understand this, please. Comprenez cela, s'il vous plaît. The agenda of the enemy for our lives is to destroy. L'agenda de l'ennemi pour notre vie est de détruire. His strategy that he uses is division. La stratégie qu'il utilise, c'est la division. And his primary weapon, the primary tactic, is offense. Et sa toute première arme, c'est d'offenser. Amen. Amen. So anytime we get offended, et chaque fois que je me sens offensé, if he wants to cause offense to come in your marriage, si il veut que les offenses puissent s'intégrer, s'incruster à notre mariage, it's not because that you're always messy and you never tidy up. Ce n'est pas parce que vous êtes désordonné, or whatever the situation is. Quelle que soit la situation. Remember. Souvenez-vous. He brings offense. Il incruste l'offense. His strategy is division. Sa stratégie est la division. But his agenda is to destroy. Mais son agenda est de détruire. Amen. Amen. So understand. Alors comprenez. That he wants to do that. Qu'il veut faire cela. But Jesus said, "I want to give you life and give it abundantly." Jésus a dit que je vous donner la vie, mais la vie en abondance. Hallelujah. Hallelujah. Last 10 minutes. Let's quickly wrap up. Genesis chapter 17. Les 10 dernières minutes. Allons. Genesis. Genesis chapter 17. Genèse, chapitre 17. I want to talk to you today. I want to talk to you very briefly. Je veux vous parler très brièvement. On God who has a covenant with you to be exceeding abundant. Que Dieu a une alliance avec vous qui va au-delà de ce que vous demandez ou même pensez. Bible says Genesis 17 verse 1. La Bible dit en Genèse chapitre 17 verset 1. When Abraham was 99 years old, the Lord Abraham appeared to him and said. Et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit. Abraham was 99 years old. Abraham avait 99 ans. Is there anybody here who's 99? Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui a 99 ans? So God can still work in your life, amen. Dieu peut toujours agir à votre âge, même à 99 ans. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. He said to him, il a dit à Abraham, marche devant moi, devant ma face, pardon. I am the Lord Almighty. Walk before me and be blameless. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. And I will confirm my covenant between me and you. Et je vais confirmer mon alliance scellée entre toi et moi. To multiply you exceedingly. Afin de te multiplier à l'infini. Hallelujah. 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 See this thing we've been talking this morning. Ce matin, nous parlons. This message we have been preaching this morning, le message que nous avons prêché ce matin. Speaking to you about God of the exceeding abundant. Vous parlez du Dieu qui est illimité à la puissance God illimitée. God who wants to do exceedingly abundantly in your life and mine. Dieu qui veut faire abondamment dans votre vie. It's not just a nice message. Ce n'est pas juste un joli message. It's not just something we thought of. C'est pas simplement quelque chose auquel nous pensions. The Bible says that God made a covenant. La Bible dit que Dieu a fait une alliance. A covenant with Abraham. Une alliance avec n'importe qui. To be exceeding abundant in him and to him. De pouvoir faire des choses qui dépassent l'entendement dans sa vie. Hallelujah. Hallelujah. And let's look down in verse 5 and 6. Et regardons plus bas au verset 5 et 6. Verse 6, he said, I will make you very fruitful and I will make nations from you and kings will come from you. Au verset 6, il dit que je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortir de toi. And in verse 7, he says, I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and your descendants. Au verset 7, il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi.
after you in their generation to come. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle. Hallelujah. Hallelujah. And Galatians 3, verse 28 and 29 says. Et Galates 3, verset 28 et 29 nous dit. That if you be in Christ, then are you Abraham's seed. Que si nous sommes à Christ, nous sommes de la descendance d'Abraham. Amen. Amen. And we are heirs of the promise. Et donc nous sommes les héritiers de la promesse. Amen. Amen. So God made a covenant with Abraham. Mais donc Dieu a fait une alliance avec Abraham. And Abraham's descendants. Et les descendants d'Abraham. That's me and that's you. C'est vous et moi. To be the God of the exceeding abundance. Pour être le Dieu de l'infini, de l'illimité. In our lives. Dans notre vie. Hallelujah. Hallelujah. This is not just a good message. Ce n'est pas simplement un bon message. There is covenant on the line. Il y a en fin de compte derrière cela une alliance. There's a covenant that has been given. Il y a une alliance qui a été donnée. So that you may walk in exceeding abundance. Afin que vous puissiez vivre dans l'abondance. Amen. 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 Amen, amen. Amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. And this theme is right the way through the scriptures. Et en fait, quand ce thème est récurrent dans les écritures. Amen. Amen. When the children of Israel were in Egypt. Lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte. Exodus chapter 1 verse 3 to 7. Exode chapitre 1 verset 1 à 7. Even when Pharaoh oppressed the children of Israel. Et même lorsque Pharaon oppressait les enfants d'Israël. That they waxed strong. Il était assez puissant. Multiplied. Ils se sont multipliés. And they grew exceedingly. Et ils ont grandi abondamment. Hallelujah. Hallelujah. Even when people oppress you. Même lorsque les gens vous oppressent. Even when people oppress you. Même lorsque les gens vous oppressent. That's not enough. Ce n'est pas assez. To keep you down. De vous mettre à terre. You have a covenant with Almighty God. Vous avez une alliance avec le Dieu Tout-Puissant. To multiply you exceedingly. Afin de vous multiplier à l'infini. Hallelujah. Hallelujah. Genesis chapter 17, where we are. Genèse chapitre 17 où nous sommes. I want to show you something very quickly before we close. Je veux vous montrer quelque chose très rapidement avant de mettre un terme à cette prédication. Oh hallelujah. Oh hallelujah. That God spoke to Abraham. Dieu a parlé à Abraham. And spoke to Hagar. Et il a parlé également à Enoch. Hallelujah. 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 And spoke to Sarah, Abraham, and the family. Il a parlé à Abraham et à Sarah. And he begins to speak to them about Ishmael. Et il a commencé à parler d'eux à propos d'Ismaël. Agar, pardon. Ishmael represented. Ismaël représentait. Abraham trying to help God out. Que Abraham qui cherchait à forcer la main de Dieu. Amen. Amen. Has anybody ever tried to help God out? Est-ce que quelqu'un a cherché à forcer la main de Dieu? Try to help God out, try to work out God's plan in our own minds. En fin de compte, essayer de façonner le plan de Dieu à notre manière. And anytime you do that, et chaque fois que vous faites ça, we end up with an Ishmael. Eh ben, nous terminons avec un Ishmael. Amen. Amen. Ishmael represented his mistakes. Et Ishmael a représenté l'erreur d'Abraham. Ishmael represented the time where he didn't believe God. Ishmael a représenté l'époque où Abraham ne croyait Ishmael pas en Dieu. Ishmael represented the time when he doubted God's promises. Et Ishmael représente le temps où Abraham doutait des promesses de Dieu. Ishmael represented the time he tried to work God's promises out in his own strength and flesh. Eh bien, Ismaël reprendrait l'époque où Abraham a essayé de faire le plan de Dieu à sa façon. Est-ce que quelqu'un a voulu aider Dieu et faire le plan de Dieu à sa manière? Hello. 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 And anytime we do that, we end up with an Ishmael. Et chaque fois que nous faisons ça, nous terminons avec un Ismaël. Hallelujah. 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 Ishmael represents your regrets. Ismaël représente vos regrets. Ishmael represents those places of guilt and condemnation. Ismaël représente les endroits de la culpabilité, de la condamnation. Ishmael represents those places where you look back in your life and you say, "I wish I could do it again." Les moments de votre vie où vous aimeriez revenir en arrière et dire, j'aimerais faire cela autrement. I wish I could change that chapter in my life. J'aimerais changer ce chapitre de ma vie. Has anybody have any Ishmaels they've had to deal with? Est-ce que quelqu'un ce matin a un Ismaël auquel il doit faire face? Amen. Amen. But I got good news for you this morning. Mais j'ai de bonnes nouvelles pour vous ce matin. Because God said in Genesis chapter 17. Parce que Dieu a dit en Genèse chapitre 17. This is the God of the exceeding abundance. C'est le Dieu de l'abondance illimitée. Who made a covenant with Abraham. Qui a fait une alliance avec Abraham. And he said, "Ask for Ishmael." Il a dit que pour Ismaël. Oh hallelujah. Oh hallelujah. I have blessed him. Je l'ai béni.
I will surely bless him. Je vais lui montrer des bénédictions. I will make him fruitful. Je vais le rendre fécond. And I will multiply him exceedingly. Et je vais le multiplier à l'infini. Hallelujah. 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 The God of the exceeding abundance. Le Dieu de l'abondance illimitée. Is the God who said. Et le Dieu qui a dit, I'm even able to make your Ishmaels. Je suis même capable de rendre votre Ismaël exceeding abundant. Fécond. Hallelujah. Hallelujah. I'm able to turn your mistakes around. Je suis capable de changer vos erreurs. I'm able to change those areas of regret. De transformer ces zones de regret. I'm able to change those areas where you feel condemned. De changer ces endroits où vous croyez coupable. Hallelujah. Vous avez ce sentiment de culpabilité. And even today, you may still be dealing with your Ishmael. Et même aujourd'hui, vous pouvez faire face à votre Ismaël. You may have a physical Ishmael like Abraham did. Vous pouvez avoir un Ismaël physique qui est un fils comme Abraham. You may have Ishmael things that you still need to deal with. Vous avez encore un Ismaël auquel vous devez faire face. And the devil wants to put you in condemnation with those things. Et le diable vous placer dans une situation de condamnation. And remind you of your mistakes. Et vous rappeler sans arrêt vos erreurs. And cause you to live in shame and regret. Et vous entraîner à vivre dans la honte et le regret. But the devil is a liar. Mais le diable est un menteur. Hallelujah. Hallelujah. God said. Dieu a dit. That I can even turn. Qui peut changer your Ishmaels, notre Ismaël, your places of pain, nos endroits de douleur, your places of regret, nos endroits de regret, your places of condemnation, nos endroits de condamnation, those parts where even the deepest inside of you feels ashamed. Mais les endroits où même en notre plus fort intérieur nous avons those honte. Those areas in your life that you wish you could change and write again. Les zones de notre vie que nous aimerions changer et réécrire. He's saying, don't hide now. Il vous dit non, ne he vous said, cachez don't pas. Live in shame now. Ne le vivez pas dans la he honte. He said, don't live in condemnation ne now. Ne vivez pas dans la condamnation. In this season. Dans cette saison, in this moment, dans ce moment, where I want to be exceeding abundant to you, au-delà de ce your Ishmaels are no problem to me. L'Ismaël n'est pas un problème. Your Ishmaels, I can turn around. Je peux changer and votre Ismaël. I can make even your Ishmaels. Je peux même faire votre Ismaël. Your mistakes, vos erreurs, your places of regret, vos zones de regret, to be exceeding abundant. D'être une abondance can illimitée. Somebody say amen. Que quelqu'un dise amen. Hallelujah. Hallelujah. There's nothing too hard for the Lord. Il y a rien de trop difficile pour le Seigneur. There's nothing impossible for our God. Il y a rien pour le Dieu possible pour notre Dieu. There's nothing that He can't do. Il y a rien qu'il ne puisse faire. And I felt the Spirit of God tell me as I prayed. Et l'Esprit de Dieu me dit. And as I was preparing for this session. Alors que j'étais en train de prier et de préparer ce message. He told me to tell you today. Il m'a dit de vous transmettre ce message suivant. That you are to lift up your head, all ye gates. Vous devez lever la tête. He said to be lifted up, you everlasting doors. Vous devez lever votre Dieu. Don't live in regret and condemnation anymore. Ne vivez pas dans le regret, dans la condamnation. He said, our sins and our lawless deeds, he will remember no more. Il a dit qu'il ne se souviendra plus de nos fautes et nos transgressions. He says, as far as the east is from the west, I have removed that transgression from you. Et l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. And he said, I'll turn even your Ishmael. Je vais changer votre Ismaël. Turn even your Ishmael. Changez votre Ismaël. Into something that's exceeding abundant. Et quelque chose en une abondance illimitée. Would you stand to your feet as we come vous lever, to s'il vous plaît? Hallelujah. 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 Don't let your mistakes or your Ishmaels rule you out of God's promise. Ne laissez pas Ismaël ou vos problèmes ou vos erreurs vous éloigner de la voie que Dieu a tracée pour vous. Amen. Amen. Remember, first thing, he's able. Souvenez-vous de la première chose, il est capable. Second thing, deuxième chose, what you think or ask. Au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Third thing, according to his power that works in you. Selon sa puissance qui agit en nous. So as we decrease, he increases. Autant nous diminuons, autant il augmente. And he turns our Ishmael. Et il change notre Ismaël. Hallelujah. 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 Glory to God. Gloire à Dieu. Glory to God. Gloire à Dieu. The Bible says that even Joshua and the children of Israel. La Bible dit que même Josué et les enfants d'Israël. In Joshua chapter 9. En Josué chapitre 9. Some Gibeonites came to them. Quelques Gileadites sont venus à lui. And lied to them and caused Gideon Joshua to make a covenant with them. Et on proférait un mensonge et on conduit Josué à conclure une alliance avec eux. And Joshua made a mistake because the Bible says they did not inquire of the Lord. Et Josué a commis une erreur parce qu'il n'avait pas consulté le Seigneur. Amen. Amen. But when the time came, mais lorsque le temps est venu,
And the Gibeonites were attacked. Et les Gibeonites étaient attaqués. Joshua went to fight on their behalf. Josué a attaqué en leur nom pour leur compte. Amen. Amen. And the Bible says that as they were fighting, et la Bible dit que alors qu'ils étaient en train de combattre, Joshua lifted up his voice and said, stand still. Josué a levé la voix et a dit, calmez-vous. So that we may finish this battle. Afin que nous puissions terminer cette bataille. And the Bible says, et la Bible dit, there's never been a day before, il n'y a jamais eu un jour avant, or a day since then, et un jour depuis, when God heard the voice of a man, lorsque Dieu a entendu la voix d'un homme. Hallelujah. Hallelujah. And held the sun to stand still, et a permis au soleil de rester au-delà de sa durée normale, so that God could redeem here Ishmael, afin que Dieu puisse racheter Ismaël. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says of King David. La Bible a dit qu'à propos du roi David, en 2 Samuel chapitre 12, I'm sorry for time for just giving you the scriptures, but je you can look at them later. Pour le temps et de vous donner l'écriture, mais vous pouvez la méditer ensuite. That when David had gone into Bathsheba, que lorsque David est allé et qu'il a connu Bathsheba, and God revealed it to him through the prophet Nathan, et que Dieu s'est révélé à lui par le biais du prophète Nathan, and challenged him. Et le prophète Nathan l'a en fait contesté, lui a and posé des questions. A parable about a man who had just one lamb and a man who had many flocks. Et il lui a en fait fait la parabole à propos d'un homme qui a en fait compte un seul agneau et un autre qui a un troupeau extrêmement vaste. Amen. Amen. And David was so enraged. Et David était tellement en colère. When Nathan asked him and said, "What should be done to the man who kills that one lamb?" Et lorsque Nathan lui a dit, mais que devons-nous faire de cet homme qui a tué ce seul et unique agneau? David said, "He shall be made to restore fourfold." Et David a dit qu'il fallait le punir sévèrement. And Nathan looked at him and said, "David, you are the man." Et Nathan a dit à David, tu es l'homme en question. Amen. Amen. And David broke down and he repented of the Lord. Et David s'est mis sur ses genoux et s'est repenti auprès de Dieu. Because of his mistake. À cause de ses erreurs. Because of his Ishmael. À cause de son Ismaël. Hallelujah. Hallelujah. And God said to David. Et Dieu a dit à David. Look at God's heart here. Listen to this. Regardez le cœur de Dieu. He said, David. Il dit David. There is nothing I did not give you. Il n'y a rien que je ne t'ai pas donné. I gave you flocks. Je t'ai donné des troupeaux. I gave you herds. Je t'ai donné. I gave you your enemies. Je t'ai donné tes ennemis. I gave you your father Saul's throne. Je t'ai donné ce qui appartient and à ton said, père. If that was not enough, et si ça n'était pas assez, I would have given you much more. Je t'aurais donné encore beaucoup plus. The amplifier said, he said, I would have given you such and such. Je t'aurais donné tellement et tellement. Hallelujah. Hallelujah. In other words, he was saying, I will give you exceedingly abundantly. En d'autres termes, il est en train de lui dire que je pourrais te donner au-delà de ce que tu demandes ou même penses. Such was God's heart towards him. Tel était le cœur de Dieu vis-à-vis de David. That even when David made an Ishmael. Parce que même lorsque David a commis un Ismaël. With Uriah's wife. Avec la femme d'Uri. Because when you read in the New Testament in Matthew, they didn't call him Bathsheba, called him Uriah's wife. Parce que lorsqu'on regarde dans le Nouveau Testament à l'Évangile de Matthieu, Bathsheba est appelée la femme d'Uri. God said, "My heart to be exceeding abundant to you." Dieu a dit que mon cœur is pour toi so est au-delà de strong. Il est mon cœur est si fort. That I will even turn your Ishmael. Que je vais tourner ton Ismaël. Into such and such. En tel et tel, en tel et tel. Lift up your hands in his presence. Levez vos mains s'il vous plaît. Father, this morning in the name of Jesus. Père, ce matin au nom de Jésus. We want to thank you for this time in your presence. Nous voulons te remercier pour ce temps en ta présence. I thank you for the word that has been delivered. Je te remercie pour ta parole qui a été proclamée. I pray this word would find good ground in every heart. Je prie pour que cette parole puisse tomber dans de bonnes terres, dans chaque cœur. Je prie que par ton Saint-Esprit, if anybody is here today, que si une personne est ici ce matin and they are dealing with Ishmaels, et qu'ils se font face à des Ismaëls, externally or internally, soit à l'extérieur ou à l'intérieur d'eux-mêmes, by the power of your Holy Spirit, par la puissance de ton Saint-Esprit, anointing on this word, oint ta parole, that you would help them today, que tu vas leur aider aujourd'hui, be free from that Ishmael, d'être libéré de cet Ismaël, and I pray today, et je prie aujourd'hui, you would begin to turn, tu vas commencer à changer, every Ishmael, chaque Ismaël, into an exceeding abundance, en une abondance qui dépasse ce que nous demandons. Amen. 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 Today, amen. Amen. As we yield to you. Alors que nous inclinons vers toi, in Jesus' mighty name, dans le nom puissant de Jésus, would you repeat this after me? Voulez-vous répéter cela après moi, s'il vous plaît? Say, Heavenly Father, dites Père Céleste, I thank you today, je te remercie aujourd'hui,
You are my God. Tu es mon Dieu. Of exceeding abundance. De l'abondance illimitée. I receive. Je reçois. Your exceeding abundance. Ton abondance qui va au-delà de ce que je demande. In my life. Dans ma vie. In my family. Dans ma famille. In my children. Auprès de mes enfants. In my spiritual life. Dans ma vie spirituelle. In my physical body. Dans mon corps physique. I thank you today. Je te remercie, Seigneur. For you are able to do. Car tu es capable de faire. Exceeding abundant. Dans l'abondance illimitée. Above all I could ask or think. Au-delà de ce que je demande ou même pense. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Give the Lord Amen. A hand clap today. Acclamez le Seigneur. Amen. Pasteur.